Inna alhamdulillah. En réalité, tout mérite, tout arrive, tout est l'ose. Tout grandit à poil de subhanahu wa ta'ala. Alladhi bi ni'matihi tatimmu s-salihat. Li Allah, c'est lui qui, par sa faveur et par sa grâce, va une bonne action, va une bonne œuvre, l'y accomplir. Et c'est par faveur Allah, par sa grâce, qui, par sa volonté, par ce désir, ce irada, par sa permission, ce idn, qui nous voilà encore vivants, l'eau sur la terre, dans l'existence qui lie Allah l'a créé. N'en nier n'a pas pris effet, n'a pas réalisé, excepté par cette petite chose. Sa parole-là, c'est un élève qui grandit dans l'université, Muhammadin. Rappelle bien, Allah subhanahu wa ta'ala, wajibul wujud, sur l'existence, li obligatoire, et Allah subhanahu wa ta'ala, li la source de la connaissance. Allah possède connaissance réelle, connaissance exacte, connaissance illimitée, connaissance impénétrable, connaissance complète. Tous les adjectifs positifs, tout un adjectif positif, ou capable d'attribuer à Allah sa connaissance. Allah sa connaissance, lui réelle, lui n'a aucune faille dans sa connaissance. Et après lui, après Allah, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui Allah il donne connaissance plus que toutes les autres créatures. Et Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam lui être considéré comme l'océan de la connaissance. Et Ali radiallahu anhu, c'est la clé pour l'apôtre pour aller vers l'océan. Ali radiallahu anhu, c'est la clé, l'apôtre pour aller vers l'océan que Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam représentait. Mais Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, sa connaissance en comparaison avec connaissance Allah, lit tout simplement, pareil comme un corbeau, il prend une goutte de l'eau dans l'océan, et sa goutte de l'eau là, a pu balancer le sous la bec. Ça, Rasul, sa connaissance en comparaison avec Allah, sa connaissance. Incomparable. Pas capable même comparer. Une goutte dans l'océan. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, wa ma utitum min al-ilmi, et pas fin à cause ou concernant connaissance, illa qalila, excepté tiki. Pas fin à cause ou concernant la connaissance, excepté très peu. Imaginez un coup, la connaissance parfaite, la connaissance exacte, la connaissance complète d'Allah, la connaissance exacte, parfaite, complète d'Allah, et Allah subhanahu wa ta'ala, il donne Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour y agir comme Allah, ce dernier messager, une connaissance qui surpasse tout humain, même un ange. Cette connaissance, en comparaison avec connaissance Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, qui Allah en donne, n'est pas même comparable. À cela, Hadat Ali, radiallahu anhu, depuis Yenalaz, très jeune, 14-15 ans, il grandit avec Nabi Karim, sallallahu alayhi wa sallam, et c'était son cousin, son tcha-tcha, son garçon. Il grandit avec lui,
ensemble, comme a dit des camarades, des cousins, et je t'en vive la révélation ensemble. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, non, il n'y a pas de pour expliquer Ali radiallahu anhu. Et ça même, Ali radiallahu anhu, quand pose les questions, la réponse qui vous gagne, vous gagnez direct depuis l'université, Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Ça même, Hazrat Ali, c'était l'apôtre pour aller vers l'océan, connaissance qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam tient. Pose Hazrat Ali question, l'eau n'importe qui domaine, quand il répond nous, quand il peut répondre direct, c'est qu'il en prend avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. On commence par faire l'éducation, connaissance, parce qu'il nous permet de s'assiger, Mashi Abdullah, la volonté d'Allah. Et il y a un qui appelle Allah sa volonté, et il y a un qui appelle nous volonté. Nous volonté, ban frère, ban sœur, nous besoin de rendre nos volontés à la volonté d'Allah. Et ça, il n'a pas pour possible si nous n'avons pas connaissance. Plus nous connaissance, les plus tigués, plus nous soumission à la volonté d'Allah, les pour à la mesure de la connaissance et l'exactitude de sa connaissance-là. Si connaissance-là est 10%, nous soumission pour seulement à la mesure de nos possibilités pour connaître. Et pour ça, elle le juge à part d'Allah, pas pour capable évaluer sa intella, sa soumission, son pourcentage. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce Mashiyat qui nous pour appeler exactement aujourd'hui, Allah ce Mashiyat, Mashiyat, Mashiyat Kauniya. Mashiyatun kauniyatun. Kauniya veut dire universel. Allah sous Mashiyat li universel. Demain nous comprenons, nous Mashiyat, comment appeler. Allah sous volonté li universel. Donc, nous saluons les autres frères, les sœurs, pour 22e. Nous avons le 22e Ramadan aujourd'hui, 22e Suyam aujourd'hui. Rappelle bien dimanche pour dimanche, nous arrivons au 3e dimanche. Premier dimanche pour aller jusqu'à 10e, nous faisons 8 Suyam, le 15, là le 20. Aujourd'hui, apparemment nous avons commencé, c'était dimanche. Aujourd'hui, 22e Suyam. Vous rappelez moi Tidiaou, ou pas pour réussir pas tout l'idée. Nous arrivons vers la fin, et quand nous arrivons à la fin là, vous connaissez, il y a des fois plus vite. Vous pouvez essayer de contempler, vous pouvez essayer de méditer, mais vous pouvez trouver cette vitesse incontrôlable. Nous finirons le lapin, alors, bon frère, bonne sœur, je demande à Allah, qui Allah, sa 8 ou bien 7 qui restait là, Allah subhanahu wa ta'ala, fait nous tirer le maximum profit qui possible. On demande à Allah doit qui Allah fait à nous trouver les temps pour surtout dans tranquillité, dans la solennité de la nuit, Allah recevoir nous uniquement, c'est-à-dire indépendamment des autres, tout seul avec lui, en contact avec nos systèmes de fonctionnement, en se servant, ça mot-là est très très important, du rationnel, le rationnel. Le rationnel lui fait allusion
Le rationnel lui fait allusion avec nos systèmes de fonctionnement qui basé sur un raisonnement. Basé sur un raisonnement qui coule la compréhension dans l'équerre. Un équerre qui analyse après que l'esprit digère l'information qu'il gagne par les yeux, par les oreilles. Alors l'esprit digère, il travaille l'information là, il coule le raisonnement dans l'équerre. L'équerre, il contemple, il médite. L'accepter ou bien l'y rejeter, l'établir une conviction, une compréhension et conscience mélange là-dedans, là l'établir un état de conscience. À partir de ça, l'état de conscience là, l'homme l'établir son comportement, l'dirige son comportement. Le rationnel joue un grand, grand rôle, l'eau nous libre orbite. Libre orbite. C'est ce qu'on appelle free will. Free will. Tout ce mot-là est mis en cause pour la compréhension de Allah son Mashiach et nous Mashiach. Si nous venons le rationnel, veut dire nous capables d'être un monde fou qui est mentalement affecté ou bien la moitié affecté mentalement. Ou bien, nous pas une possibilité pour accompagner nos décisions par un libre arbitre, c'est-à-dire un raisonnement en nous, une habilité en nous qui motive nos bonnes comportements, nos bonnes prises de décision, nos bonnes prises d'action, c'est-à-dire nous avons action qui émane à partir du rationnel et le rationnel est annexé directement avec libre arbitre, free will. Si nous n'avons pas fini un free will, par exemple, la fois dernière, vous expliquez un bout, vous disiez la fois dernière, si vous avez une relation ancestrale, ou une relation familiale qui dirige ou l'éducation, le clan dans qui ou la famille trouvée, par exemple un Kadiani, par exemple un Chiite, un Chia, et dans une prend naissance dans la famille qui sont racines, c'était le schisme, c'était le Kadianisme. Alors il grandit dans ça, l'université là. Ça dit mon là, son raisonnement, son rationnel, avec son free will, lui n'a pas pour fonction dans liberté qui Allah incrée lui. Ça dit mon là, lui pourrait être dans paramètre, dans limite, dans paramètre, dans limite, l'attachement, le racine ancestral, familial et l'éducation limitée, dans l'éducation limitée, dans paramètre kadianisme et dans paramètre christianisme ou bien hindouisme ou bien le schisme, veut dire être chia. Bonne famille qui contrôle ce système grandir d'après tradition du kadianisme, tradition du christianisme ou bien du schisme ou bien de l'hindouisme. Ça du monde là, c'est seulement Allah, dans ce Mashiach Kauniya, dans ce universel et volonté, will, dans Allah, ce volonté universelle, Allah tout seul, qui donne position pour évaluer liberté de sa humain-là, à se soumettre totalement à Allah, ce volonté. Je demande à Allah pour qu'il nous rende ça plus facile pour vous comprendre. Citant l'important, nous islam, il faut être évalué la quantité qui nous rationnel fait travailler avec nos free will, nos libres orbites pour rendre à Allah son mérite. Et Allah son mérite, c'est qui, par raisonnement, par compréhension, par l'état de conscience, nous reconnaissons Mashiach Kauniya, son
volonté universelle, sa volonté universelle qui réalisait, sa volonté universelle qui réalisait, malgré nous ne comprenons ou bien nous peine comprendre, malgré nous sentir nous confortables ou bien inconfortables, mais c'est la volonté universelle de Dieu qui réalisait par tous côtés, parce que Dieu seul est là ce qu'il appelle la divinité. La divinité, c'est une capacité qui est un bon Dieu possédé, qui permet son machin, kaunia, veut dire sa volonté universelle, réalisée par tous côtés, dans toute bonne réalité. Et combien de fois vous pensez à ça, moi là, laisse-moi retourner avec Allah, qui me fait à moi reconnaître, qui me fait à moi reconnaître, et qui peut faire à moi gagner recours à sa volonté universelle en lui demandant Rabbi Shrahli Sadri, ou Allah ouvert mon estomac. Vous êtes content qu'ils ont toujours adopté sa doigt là parce qu'Allah lui-même, Allah subhanahu wa ta'ala, lui-même, lui fin révèle à notre intention. Allah lui-même lui fin révèle à notre intention sa ayat la faman. Faman. Yuridillahu, yuridillahu. Quand tu es un dhamma, dans nos langages traditionnels, on appelle ça une pêche là, veut dire lien sujet. Yuri veut dire ouli. Yuri veut dire ouli. Alors, c'est lui qui Allah fin ouli. Fama yuridillahu an yahdiyahu. Yashrah, dites le mot là. Yashrah, yashrah. Allah fait ce léguer. Sharaha veut dire expliquer. Sharaha veut dire expliquer. Allah explique sadrahu, 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 sadrahu. Yashrah sadrahu lil islam. Lil islam. L'islami. Et là, on peut dire ça doit qui Moussa alayhi salam tu lire quand il s'est là pour faire face avec Pharaon qui c'est l'autorité, elle l'autorité dictateur. L'Ioulé, c'est qu'il dit sa l'autorité pharaonique, lui s'y présente comme il a. Alors, beaucoup de gens qui disent, moi-même, au plus grand rang, je ne sais pas si je suis un homme qui est un homme qui est un homme qui est un homme qui est avec le peuple. Dans ce discours national, il dit, je ne sais pas si je suis un homme qui est un homme qui est un homme qui est un homme qui est excepté moi. Et là, il peut créer une divinité, il peut attribuer la divinité à lui. Comme ça, même toute l'autorité gouvernementale dans le monde. Toute l'autorité gouvernementale dans le monde qui n'a pas dirige une population avec la révélation de Dieu, avec la volonté de Dieu, avec la prescription d'Allah, ce sont les rebelles, ce sont les injustes, ce sont les corrompus. Aucun gouvernement dans le monde qui n'a pas dirige la société humaine avec la révélation dans les yeux d'Allah, c'est un gouvernement pharaonique qui le Coran peut symboliser quand il déclare Uluhiyya, moi-même je suis Ilah, moi-même je suis Rab. Le Coran peut dire, il dit avec ce peuple, Ma alintu lakum min ilahin ghayri, mupankun aucun Ilah. Dire, c'est lui qui est la divinité, vous êtes excepté moi. L'autre place, il dit, Allah Rabbo Kumul Allah. Moi-même, je suis le plus grand rab. Moïse, pour Allah, qui a contre Moïse dit, Allah, Rabbi Shrahli, Rabbi Shrahli. Moi, écrit à sa doigt là aussi. Il dit là, Rabbi, Rabbi,
Israhli. Israhli. Rabbishrahli. Sodri. Sodri. Rabbishrahli sodri. Mais c'est un tibout qui va dire aujourd'hui, mon Dieu là-dedans. Ici, il dit, alors, c'est lui qui a la fin oulé. Guide-lui. Ça, quelqu'un qui a la fin oulé, guide-lui. Yashrah, sodrahu, l'islam. Allah pour explique ce lesquels la soumission. Allah pour faire ce lesquels comprend la soumission. Pour Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Attention, quelqu'un parmi vous, il a fait penser qu'il lui-même dit le ciel, lui-même qui descend de la terre, et il y a certaines pensées qui pensent comme ça. Et il y a certaines poèmes en ourdou qui disent lui-même qui le hache, lui-même qui peut marcher de la terre. Je dis à très lié à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Uluhiyat, Rububiyat. Non, wa ma Muhammadun illa Rasoul. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, li n'est qu'un Rasoul pour Allah. Allah dit dans sa petite surah, Alam nashrah laka sadrak. Moi, écrit à cette phrase là aussi le tableau. Alam nashrah laka sadrak. Moi, je dis dans la bout là, là, Aïla. Alam. Alam. Nashrah laka. Nashrah laka sadraka sadraka mudrajani. Est-ce qu'il nous peut faire ça l'action là? Est-ce qu'il nous peut expliquer tout l'équipe? Est-ce qu'il nous peut faire pour toi te sadre de l'estomac quand il y a tout l'équipe là-dedans? Nous n'a pas expliqué tout l'équipe, nous peut faire toi comprendre. Alam nashrah laka sadra. Donc Moïse demande à Allah, Rabbi shrah li sadri. Ou Allah, ouvre mon cœur vers la compréhension. Explique mon cœur, Rabbi shrah li sadri. Pour Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allah jali. Alam nashrah laka sadra. Est-ce qu'il nous n'a pas fait expliquer ton cœur? Est-ce qu'il nous peut faire ton cœur comprendre? Là, nous, ummati Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allah pense. Mashiyat Kauniya, parce que universal will, ce volonté universelle, nous n'avons pas écrit à Allah Boujali, mon maître, j'ai écrit, je veux être musulman, je veux être croyant, je veux être au sein de la meilleure Ummah, Ummah de Muhammad. Ni nous, Bagdada, ni un prophète, ni un capitaliste, ben propose Allah, ben informe Allah et ben demande Allah. Mais Allah, par sa volonté, Allah fin écrire dans nous l'équerre iman. Oulaïka kataba fi qulubihim l'iman. Surah 58, ayat numéro 22. Allah, par sa volonté universelle, par ce choix, par ce désir, par ce l'amour, Allah par sa permission, Allah par sa capacité, Allah par son choix, les fanoubines musulmans. Dans chapitre 22, verset numéro 78. C'est lui Allah qui appelle les autres musulmans. Min khablo wa fi hada. Avant aussi, dans tout mon livre, avant, depuis Adam alayhi salam, Noah alayhi salam, Moussa alayhi salam, Ibrahim alayhi salam, Isa alayhi salam, et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dans tous les livres avant, Tawrid, Zabur, Injil, Sohuf Ibrahim, Sohuf Moussa, Allah t'appelle ban qui Allah choisirait, musulman. Donc ça nous, de nous identité là, pas nous qui n'attribuons à nous-mêmes, c'est la volonté universelle de Dieu qui nous a appelés musulmans. Et l'appartenance, notre appartenance à meilleur humain, c'est Allah qui dit dans Sourate 3, ayat numéro 110, Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. C'est vous-même qui meilleur humain qui Allah in retiré pour lead et guide l'humanité tout entière. Aujourd'hui, nous pouvons appeler là,
nous pouvons servir ça comme un support pour dire en toi qui par ton volonté universelle, par ton connaissance exacte, par ton connaissance parfaite, par ton connaissance complète, de nous choisir nous pour te mettre iman dans nous l'équerre. De nous choisir nous pour te donner nous identité musulmane. De nous choisir nous pour venir dans meilleur humain pour soyer l'honneur à ton prophète. Ô toi, le maître de nous l'équerre, toi qui n'as accès à nos cœurs, Rabbi Shrahli Sadri Lil Islam. Ô Allah, ouvert et explique mon l'équerre à la soumission. Ô toi qui nous as demandé, Allah me fait demander toi, parce qu'il te fait rapprochement avec toi à travers l'éducation et la compréhension. Ô mon maître, si tu pas tu trouves du bien dans moi, jamais tu pas pour rassembler moi pour écouter, pour entendre. Allah, faut que tu trouves du bien dans où. Voilà où Alim Allah ou Fihim Khayran, dans chapitre 8, verset 23. Et si Allah trouve du bien dans eux, la Asma Arum, alors Allah pour rassembler eux, les pour faire écouter et entendre. Et quand Allah ou les dit bien, Mayyunillah ou Bihi Khayran, quand Allah fait nous les dit bien pour lui, Yufakriku Allah fait lui comprendre, dans Dine, écouter et entendre, elles affaires. Comprendre, elles autres affaires. Mais quand ça l'équerre là, quand ça l'équerre là, il y a une explication, il y a une compréhension, et ça l'équerre là, il y a un rendu musulman, il y a un soumet, c'est ça même qui provient la traduction et l'expression de tout au comportement. Ça même qui Allah dit ici, dans chapitre 6, ici, dans chapitre 6, verset 125. Chapitre 6, verset 125. Famen yuridillahu an yahdiyahu. Alors, c'est lui qui Allah fin oule guinli. C'est lui qui Allah nous les donne les hidayat. Yashrah, yashrah. Il y a une différence entre yashrah, veut dire expliquer pour faire comprendre, avec Allah dire yufakikou. Ça, c'est qui ou pétrouve nous faire là-là. C'est l'action de faqqaha yufakikou. Allama yu'allimou. Et toutes les réactions, Allama yu'allimou, Allah est dans le Coran. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Lire par le nom de ton maître, c'est lui qui me crée. Khalaq al-insana min alam. Il fait une crée humain avec un caillou de, depuis un caillou de sang. Iqra, lire en Coran. Wa rabbuka al-akram. Et ton rabb là, le plus généré. Alladhi allama bil qalam. C'est lui qui enseigne par la plume. Allama al-insana ma lam ya'lam. Lui-même qui enseigne humain. Et voilà l'enseignement peut faire. Allah pas nécessaire qu'il y descende. Lui fait, lui rassembler où, lui faire aux oreilles travail, lui faire où l'esprit résonner, il y a même une évidence devant où, et lui faire la motivation paraître devant où, lui faire où l'esprit travaille, où les cœurs comprennent, et lui faire où accepter parce qu'il lui guide et explique où les cœurs à l'intérieur. Yashrah sadrahu lil-islam. Lui explique ça l'équerre là, lui fait ça l'équerre là, comprend la soumission. L'équerre, peut-être une quantité parmi vous, l'intendez, mais l'oubliez. L'intendez, mais l'oubliez. Iblis, lui capable d'une attaque ou sodre. Allah dit, il was mesofé, soudour il nas. Allah dit, il was mesofé, soudour il nas. Mais quand on peut demander, comment on mentionne Allah, Iblis, Khannas, l'équipe ou soudre y aller. Dans ou soudre, ça ou l'estomac, et une goutte là-dedans, ça s'appelle Qalb. Qalb, l'équipe à l'intérieur, soit ça c'est soudre. Ça va entrer comme un 10 ans, ça va entrer comme un 10 ans, sa plateforme là. Iblis avec son équipe, il reste sur sa plateforme là, mais il pas, il n'a accès au cœur. Allah tout seul qui n'a accès au cœur, à cause même qui Allah aime de ce sifat appelle Muqallib al-Quloub. Muqallib al-Quloub. Muqallib, Muqallib. Ça aussi est très très important pour montrer aux relations qu'il y a en Qalb. Qalbun, dites bien. Qalbun. Muqallib, Muqallib. Muqallibu, Muqallibu. Ça, Allah, ce nom, Muqallib al-Quloub,
القلب سبيلسي القلوب 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 سبيل القلب مقلب ممو قلب يقلب بذير توني الذي مقلب القلوب الذي سلوي كي تون بان لكير لكير لي عبدي لي دو الله لكير. Un frère, il a rappelé moi hier, il a moi, ben, celle qui a empêché concernant Allah, par exemple, quand on dit le visage d'Allah, pour montrer le visage. Tout le monde a l'impression que le visage est pareil. Pas qu'il y a le droit de donner aucun signal quand on décrit Allah. Allah, là, il s'agit de l'Ishaï, il y a une petite chose qui est pareille comme Ali, et on n'a pas capable de donner aucune comparaison. Allah, les muqallib al-qulub, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit, qulub ibn Adam, قلوب ابن آدم بين أصبعي من أصابع الله لأدي لدوا قريبا لدوا الله يقلبها كيف يشاء الله تون بان لكير دابري سو مسيات كيف يشاء دابري سو يونيفرسال ويل دابري سو فولونتي يونيفرسال جيت بيان هومان جيت بيان هومان نو نو بيغين l'information est importante. Nous avons les guerres qui sont capitales dans nous. Les guerres sont capitales. Kalbun, Kulubun, on en prend un mot arabe là, un mot kouanique là. Un mot prophétique, on en prend là. Rasoul, service à Moula beaucoup. Quran, service à Moula beaucoup. On n'a pas oublié lui. Kalbun, tiens. Kalbun, Kulubun, tiens. Kalbun, Kulubun. Sodrun, Sudurun. Sodr veut dire l'estomac. Les guerres, ils trouvent dans l'estomac. Allah dit, c'est lui qui m'a envie de dire, moi, explique sur l'estomac. En d'autres mots, moi, explique sur les guerres. Moi, faire sur les guerres comprendre. Moi, donne-nous une preuve qui, les guerres, lui-même capital dans l'homme. Moi, donne-nous une preuve qui, les guerres, ça même plus important. Plus important. Et là, on gagne dans Oulamé, c'est lui qui n'a accès au cœur. Même pas Iblis. Iblis n'a accès au l'équerre, il n'a accès au soivre, il est tout là, mais il n'est pas capable de rentrer dans l'équerre que pompe disant là, il n'a pas pour capable de rentrer jamais. C'est le mal dans le disant là sorti là-bas, les dans le disant là sorti là-bas, les là il y a quatre disant là, les soufflés, dans le disant là, parce que disant c'est vaisselle qui s'enlient communication entre l'esprit avec l'équerre. Les dans le disant là sorti là, il y a dans l'esprit, les rêves est tourné. L'esprit dirige la main du pied. Tout ça là, Allah peut vous faire vous connaître, là, faire vous comprendre. Pour les temps où vous demandez, exact ce qu'il a besoin de demander. Preuve qu'il était assez capital. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith, Allah inna fil jasadi mudra. Est-ce que vous ne pouvez dans les corps et dans le boule la viande, idha salahat, salahal jasadu kullu. Si il est bon, les corps est en entier pour bon. Wa idha fasadat, quand il pourrit, fasadal jasadu kullu, l'ego est en entier pour pourri. En d'autres mots, si tu l'équerre une pure, tu l'équerre une bonne, tout ou bonne action, tout ou bonne comportement pour bon. Si tu l'équerre une pourri, une corrompue, tout ou bonne action pour pourri, pour corrompu. Et le prophète dit, Allah wa di al qalba, est-ce qu'il te va trouver qui ça c'est l'équerre? Est-ce qu'il te va trouver qui ça c'est l'équerre? Alors, mon frère, ma sœur, qui s'en a qui n'a accès au cœur? Diafon? Comment Allah l'appelle? Muqallib al-qulub. Comment Allah l'appelle? Comment nous le connaissons? Les prophètes, ils disent nous. Les prophètes, ils disent nous connaissent. Tout le monde les guerres, les enfants Adam. Même les Russes, même les Américains, même les Juifs, même les Palestiniens, même les Mauriciens. Même pas de malgache. C'est vrai. Nos cœurs sont entre les deux doigts d'Allah parmi ses doigts. C'est vrai. Yukallibuha. Moi, écrire ce verbe là. Yukallibuha. Voilà le verbe. Yukallibuha. Voilà. Yukallibu. Kaf lambi. Kaf lambi. Kaf lambi. Yukallibuha. Kaifa yasha, d'après ce Mashiach,
Kaunia, d'après ce volonté universelle, à la tout monde qui est là, d'après ce volonté. Là, les temps finis est informé. Un homme averti en vos deux. Un homme averti en vos deux. Qui vous a choisi pour être croyant? Répondez. Qui vous a fait musulman? Qui vous a donné l'honneur d'être Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Allah. Appelle Allah par ce nom. Ô toi qui me dis iman dans mon liqueur. Ô toi qui me fais moi musulman. Mon parti demandé, c'est ton choix. C'est ta volonté. C'est ton contentement. C'est ton plaisir. Avec même volonté, avec même contentement, avec même plaisir, mon pédé man toi. Ya mon kalliban kouloub, ô toi qui tourne ban l'équerre, tourne mon l'équerre vers la soumission totale à ta volonté. Tourne mon l'équerre vers la compréhension de mon volonté en comparaison avec ta volonté universelle. Mon volonté limitée, fais-moi l'équerre comprend. Mon volonté, ce l'espace, ce limitation, et ta volonté universelle qui couvre ma volonté. Et fais-moi volontairement, par mon équerre, rends mon volonté à ta volonté. En deux mots, fais-moi bien un vrai musulman, vive comme un vrai musulman, et mort comme un vrai musulman. En deux mots, un quelqu'un qui ne reconnaît ta volonté universelle par raisonnement, par évidence, par compréhension, il ne reconnaît pas conscience, et consciencieusement, objectivement, pour gagner ton plaisir, pour gagner ta satisfaction, faire moléquer, rendre ma volonté à ta volonté. Aujourd'hui, c'est un, encore une fois, introduction, la compréhension de la volonté d'Allah, nous ne faire un pas en plus, nous en prendre la volonté universelle et face à nos volontés qui, parfois, dans les circonstances, nous, vous connaissez, il faut être nous libres en vie de travail, nous rationner le travail, les là nous coupons. Faut être nous libres en vie de travail, nous rationner le travail, nous rationner mais dans nos systèmes de fonctionnement, nos raisonnements. Si le non-raisonnement, le non-rationnel, le non-libre arbitre est dans une imposition familiale, est dans une imposition économique, est dans un gros lion qui peut attendre nous si nous bouger, nous avons toutes les possibilités là. Nous ne pouvons pas bouger, nous ne pouvons pas bouger. Faut que ça bouger ou bien pas bouger là, completely free, totalement libre. Les là, nous prenons décision là, nous disons, je vais soumettre à Allah. Les là, sa soumission là est dans la valeur. Si les autres petites choses qui peuvent motiver nous pour soumettre, par exemple, l'alliance familiale, par exemple, et du monde, les convertis à l'islam pour les gagner. Oui, non. Sa conversion là, pas valable côté Allah, ça. Et il y a un autre qui convertit à l'islam, il est content de suffire. Sa conversion-là, pas valable, ça. Mais bien, nous dans le fond du sujet. Le rationnel, sa raisonnement-là, besoin d'une conne Allah. Avec raisonnement, il y a une évidence, il comprend Allah. Il comprend Allah sur l'autorité suprême. Il comprend Allah sur volonté universelle. Qui manière c'est sa volonté-là qui primait, le man les autres volontés qui Allah l'in crée et l'in limité. Tout ça là nous prend dans profondeur ce sujet-là. Faudé ou il a un libre arbitre avec un rationnel acceptable côté Allah et Allah tout seul qui est capable de pèse ou rationnel ou en balance. Moi, je ne suis pas capable de dire ça. Moi, mon cas n'existe causé. Mon motif où mon mettons en face de nos responsabilités pour librement, librement, sans aucune la fausse. Là, il n'a pas fausse personne pour accepter la ilaha illallah. Là, din veut dire akida. Din veut dire la ilaha illallah. Pas fausse personne, ni porte causé, ni de besoin, comment dire, fausse économiquement. Tu connais rentre dans le din, nous vous donnons toi ça. Nous vous donnons toi facilité. Ça aussi, nous pas un droit. Quand Dieu là, par son rationnel, par son libre arbitre, il demande Allah. Allah, il donne les hidayat.
Quand Allah ou les guides en quiquen, Allah explique sur l'estomac la soumission. Quand ça dit Moula, pas lui-même, complètement, il est capable de répondre quand on pose une question de qui vient de l'accepter pour soumettre toi. Il y a une réponse, il y a une conviction, il y a une détermination. Ça dit Moula devant Allah, il y a un vrai musulman. Il y a une obligation de Allah. Quand ça dit Moula, il soumet totalement. Allah prend ses responsabilités complètes. La guidance, la protection, l'assistance dans toutes affaires. Wakan haqqan alayna nasrul mu'minin. Il y a un devoir au nom. Il y a un droit qui s'amoukmin la ena pour nous donner toute l'assistance. Rendez-vous demain, déjà 45 minutes, mon causé. Après, j'allais reposer un petit peu. Nous remercions Allah pour profondeur dans qu'il va nous rentrer. Aujourd'hui, quand nous embarquons le Mashiach Kauniya, demain nous allons prendre nos Mashiach comme appelés et ben, les autres Mashiach comme appelés, Inch'Allah. Nous remercions Allah, nous demandons à Allah doit, qui Allah, Ya Muqallib al-Qulub, qui est bien les doigts que nous pouvons demander. Ou appelle Allah par ce nom. Ya Muqallib al-Qulub, Qallib Qalbi. قلب قلبي على دينك وعلى طاعتك قلب قلبي على معرفة مشيئتك معرفة طاعتك معرفة توحيدك en d'autres mots, ô toi qui tourne mon équerre vers la compréhension de ton mashiach universel, ton volonté universelle. Tourne mon équerre vers la compréhension de ton l'unicité, vers la compréhension de ton l'autorité. Tourne mon équerre vers la compréhension de mon volonté et faire mon équerre soumet. Comment vous dire ça? Rabbi surah li sadri li l'islam. Oh Allah explique et faire mon équerre comprend la soumission. Samoula Allah in révélé. Allah in fait aller pour Rasulullah. Alam nasrah la kasadra. Moussa alayhi salam in demandé. Rabbi surah li sadri wa yassir li amri. Facilite mon travail. Ça doit qui, Moussa s'y demander, nous pouvons prendre un bout d'un doigt là, nous pouvons relever avec sa ayat là pour dire, Rabbi Israh li sadri li l'islam. Nous dirions ensemble trois fois, pour les temps où sorti, ou pas dire qu'il n'y a pas de tigone en prenant le doigt là. Rabbi Israh li sadri li l'islam. Rabbi Israh li. Allez, écrit là. Rabbi Israh li. Sadri l'islam. Encore une fois, Rabbi Shrahli Sadri l'islam. Prends sa cadeau là et c'est lui qui prend lui avec raisonnement, avec compréhension. C'est lui qui prend lui avec soukour pour Allah et il pratique ça tous les jours. Allah vous explique ce l'équerre et vous fait ce l'équerre comprend et accepter la soumission intérieure qui pour résulter le comportement extérieur. Et Inch'Allah, nous pouvons être ensemble avec Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam et Allah pour faire lui reconnaître nous comme un vrai musulman dans ce ummah. Allah pour donner lui permission pour faire nous shafa'at. Allah pour donner Quran permission pour faire nous shafa'at. Et Suyam Al-Quran wa Suyam yashfa'an. Quran avec Suyam pour venir dans le tribunal, pour venir la guerre pour nous. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayka.